Shalom, namasté. Ceci est la deuxième vidéo. Voilà que vous vous retrouvez dans une salle, dans un centre, dans une centre, dans une société, dans une famille, dans une communauté. Vous êtes un dirigeant, vous êtes un homme de prière, vous êtes un professeur, vous êtes je ne sais pas quoi. Et vous voyez que la jalousie est immense contre vous. Vous voulez vous en débarrasser. Vous êtes un roi sur un trône. Écoutez, je dis bien, vous êtes un roi sur un trône. Et la jalousie vous localise. Cherchez l'art, le mâchoire complet, pas les deux forcément, mais le mâchoire complet d'une âme. Que ce soit pour la gauche, que ce soit pour la droite. Et écrivez, gravez dedans Samson. Ce côté plat, Samson 7, trois fois de l'autre côté, quatre fois ça fait 7. Après avoir gravé ainsi, vous ouvrez votre Bible. Vous prenez une Bible, vous ouvrez la Bible et vous allez lire le texte des juges, livre des juges, le 15, c'est-à-dire que le chapitre 15 et le verset 9 à 15. Je répète, livre des juges, le chapitre 15, verset 9 à 15. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique tranchant. Je dis bien, c'est ce qu'on appelle action prophétique tranchant. Maintenant, ce que je vous donne, il y a quatre dimensions. Il y a une dimension, si vous êtes au niveau du problème du terrain, vous les utilisez. Deuxième dimension, vous allez utiliser au moment où vous voyez accéder dans votre maison avec un inconnu. Vous voulez faire lutte dans un poste. On trouve tout simplement pour la première une corde qui avait attaché un bœuf. Deuxième, une corde qui avait attaché un cabri. Mais je ne vais pas vous livrer ça là, parce que c'est un peu dangereux ça. Maintenant, la troisième, c'est ça, tout simplement, le Samson. Vous gravez ce nom dedans. Maintenant, vous prenez, si vous avez du piment de Guinée, vous prenez l'autre piment de Guinée dans la bouche. Là où la partie où vous avez pris le Samson, vous allez clignoter le piment de Guinée dans votre bouche. Après avoir récité les chapitres, si vous ne récitez pas les chapitres, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Après avoir récité les chapitres, vous croquez l'autre piment de Guinée et vous crachez de l'autre côté. Fait ça trois fois et puis vous appelez votre nom et vous dites moi Berger Raphaël le Pélier, à partir d'aujourd'hui je suis Samson et je suis venu en demandant l'aide à l'Esprit de Dieu afin que les hommes de la terre qui m'ont liberté, afin que les hommes qui m'ont attaché pour me donner la honte des sorciers, des marabouts, des ci, des ça, qui voulaient me donner la honte. Des gens qui ont attaqué ma famille, des gens qui ont attaqué ma santé, selon le cas que vous traversez, c'est ça que vous allez exposer. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que l'esprit qui est descendu sur Samson, et Samson a terrassé tous ses ennemis. J'invoque cet esprit qui descend dans moi et qui met le pouvoir de Samson dans mon corps. Et que ce mâchoire reçoive l'énergie du guide combat, l'énergie de l'épée que Saint-Michel avait transférée dans la main de Samson. Parce que ce n'est pas le mâchoire, c'était l'épée de Saint-Michel. L'énergie de l'épée que Saint-Michel avait transférée dans la main de Samson. Que cette énergie, au moment où je vais utiliser, que je vais si n'appelez le nom de personne. Je dis mâchoire de l'âne.
Je sais que ça coûte. Mais ce n'est pas pour les petits pouces. Si vous voulez réussir, ne pensez pas à ne pas dépenser pour dire que vous allez réussir. Toute chose a un prix à payer. Et ce mâchoire, après avoir parlé, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce mâchoire? Vous mettez ce mâchoire dans votre seau. Je dis, vous mettez ce mâchoire dans votre seau, dans votre eau de bain. Si vous êtes, vous êtes à la maison à 12h00, vous touchez avec, ou à 0h. Il doit avoir 1 heure, fils. 12h00, 0h. Le matin, et ça que vous voulez utiliser, de préférer utiliser ça à 3 heures. Et lorsque vous vous touchez, vous parlez. Que telle personne qui luttait contre moi sur ma poste et qui voulait me faire tomber, si vraiment l'Esprit de Dieu a pris le corps de Samson, je ne lui souhaite pas la mort, mais que le pouvoir de l'épée spirituelle transformée en mâchoire que Samson avait utilisé, que cette épée fait face à telle personne qui me lâche tranquille. Ne lui demande pas la mort. Ou voici, ils sont nombreux, tu l'as dit. Ils sont multitudes, mais cette épée transformée en mâchoire les a tous tués. Alors, lorsque je me touche maintenant, que l'esprit de Samson prend mon âme et aille combattre sur cette personne. Je dis à toi, c'est ce que je dois te donner. Garde ça. Si on ne veut pas donner, on ne donne pas. Et puis, on ne nous force pas de venir donner. Non, non, non. On ne nous oblige pas. Non. On vient avec notre propre volonté. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. On m'appelle Benjamin Raphaël, le petit prophète du Bénin, le sorcier du Saint-Esprit, le béninois des béninois.